un matin plutôt pluvieux à Chicago. La ville semblait calme, trop calme. Notre héros, Aiden Pierce, regardait les horizons. Il ne se doutait de rien, il avait raison. Parce que demain, sa vie va changer. Sa vie va peut-être basculer. Quand il reçut un appel décisif. Ouais bâtard, j'ai un contrat sur ta gueule. Je te défie de braquer tous les magasins du monde. Enfin, de Chicago plutôt. Et me livrer quelques voitures, ça te va? Va te faire chier, connard. Braquer tout Chicago? C'est un vrai connard ce mec, il a vraiment cru que... Putain, c'est encore lui, qu'est-ce qu'il veut? Eh mec, je sais pas si t'as oublié, mais j'ai engagé des fixeurs contre toi. C'est-à-dire si tu fais pas ça, ils vont te buter. Putain, quelle pute. Je vais te retrouver, toi, tu vas voir. Mais d'abord, il faut que je fasse cette mission d'abord. Oh merde, j'ai faim, mais rien dans ces poubelles. Bon, d'après mes plans géographiques, je suis ici. Il y a juste pas très loin... Une pharmacie. Ou ici, un truc à jackpot. D'abord, j'irai peut-être ici, à la machine à sous. Et après, j'irai au magasin à capote pour braquer. C'est parti. D'abord, récupérer ma voiture et puis on y va. Oh, jolie caisse. Ça a l'air de me faire envie, ça. Hop, je la prends. Je ne ferai aucune égratignure, bien sûr. Bon, on est bientôt arrivé. On est arrivé, il va falloir que je me doute de l'approche. Une place de parking. Hop, j'ai pas trop abîmé la voiture, ça devrait aller. Mon approche serait de le braquer au fusil à pompe. C'est ici, mais faudrait peut-être déjà d'abord que je parle au vendeur. Allons-y. Hey, salut toi. Oui. Est-ce que vous voulez une bière? Pas les couilles de ta bière, frère. Je veux juste braquer ce magasin. Oh de connard, donnez-moi la thune. Oh, bah y a plus personne, dirait. Oh merde, ils appellent les flics. J'ai braqué le magasin. Il y a des coups de feu. Vite, il faut que je l'intercepte. Ta gueule, connasse. Évidemment, la police. Il va falloir que je lui échappe. Vous m'aurez jamais, bande d'enculés. Oh. Bon, maintenant que j'ai semé ces connards et foutu un peu la merde à cause d'un fixeur... On peut regarder où est le magasin à capote. Donc le magasin à capote se trouve ici. Merde, il y a un crime à côté. C'est pas grave, on va y aller. T'as pas la caisse. Allez, on y va. Bon, on dirait que le crime est passé. On va aller voir dans la pharmacie à capote. Farmington. Pareil, je vais parler au vendeur. Bonjour monsieur, à combien coûtent vos capotes ici à ma gauche? Les capotes coûtent approximativement 99 centimes la capote. Donc si vous voulez faire un petit quelque chose avec votre ami une fois, ça coûtera 99 centimes. Sinon, la boîte complète, ça coûte 10 euros. Voilà. Mais c'est trop cher, espèce d'enculé! Moi, je parle de ces capotes-là! Putain, c'est trop cher. Salut, toi aussi, tu fais de la pub. Tu vas mourir, enculé. Non, pas le sniper, merde! C'est quoi que je veux faire la mission? Tous à terre! Tous à terre! Voilà,
Maintenant que je les ai tous butés, je peux prendre le fric. Oh merde, encore des survivants, ils vont témoigner. Vite, il faut que je braque la pharmacie. Maintenant que j'ai braqué cette pharmacie, je dirais que je pourrais aller braquer... Dans ce coin-là, c'est déjà fait. Ça, j'ai déjà braqué. Nous irons braquer, je pense. Ici, il y a l'air d'avoir un bar. Nous irons aller braquer ce bar. En attendant, je crois que j'ai l'air d'avoir des copains. Vous voulez jouer avec moi, les gars? Vous ne voulez pas jouer avec moi? Eh ben, je m'en vais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain, je pourrais pas braquer tous les magasins. C'est pas possible. Ça me fait trop de mal de faire ça. En plus, j'ai eu très mal pour... Ah, ça fait mal. Sauver... Enfin, échapper aux flics, quoi. Putain. Ton enculé me rappelle. J'admets que tu ne dois pas braquer tous les magasins. Mais tu dois braquer toutes sortes de magasins. C'est-à-dire que tu as fait le magasin capote. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Après, tu as braqué le bar. Il reste l'armurerie. Et puis le truc de choses à fabriquer, le magasin de vêtements. Après, tu viendras me voir. Enculé de tarasse. Une armurerie. Il y en a un ici. Près du lac en forme de couille. Non, je veux pas aller au lac. Je vais me noyer là-dedans. Je risquerais peut-être plutôt d'aller là. Après, nous irons par exemple ici pour le magasin là. Et le magasin de fringues ici. C'est bon, j'ai compris. Merci de m'avoir donné ta voiture, mec. On y va. D'arriver, je respecte la priorité, on est en Angleterre. Ah non, Chicago, c'est en Amérique. Merde. Je dois tourner à droite. Voilà le magasin d'armes. Si nous faisons un repérage... Oh, un client sort. Il a l'air d'avoir peur. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, en dessous de son comptoir? Ça a l'air calme, on va se ranger derrière. Un homme chelou. Non, ça me branche pas un truc numérique, bâtard. Hop, j'active la barrière. Alors, le magasin d'armes... C'est ici. Voilà. Je vais aller voir la clientèle. Bonjour. C'est un peu éclairé ici. Auriez-vous des armes? Parce que j'en ai besoin. Ouais, ouais, ouais. J'ai des armes. Pourquoi veux-tu des armes? Oh putain, t'es thermal toi. J'ai pas besoin d'armes. Ciao. Putain, mais quelle andouille, il m'a fait peur. Bon, vous êtes prêts? Changer de fusil à pompe. 3, 2, 1, c'est parti. Les menteurs, mon enculé! Oh, t'as un joli petit cul, toi. Sortez d'ici. Ne pas sortir d'ici, c'est peut-être la priorité. Et s'il s'échappe, je suis obligé de... Oh merde, il s'échappe. Oh merde. Quelle est la nature de votre rang? Oh non. Je veux pas qu'il s'échappe. Il y a encore au moins 4 cibles qui se sont échappées. Où sont-ils? Là-bas! Il en manque plus que 3. Je ne veux pas de témoins. Là-bas, je suis obligé de... Police, précisez votre... Hop! Enculé! Enculé! Oh, je crois que j'aurai les flics au cul. Scan CTOS approuvé, on lance la recherche du suspect. Non, pas la recherche! Enculé! Wesh, j'arrive pas à l'attraper. Non. Pas de témoin. Oui, encore un. C'est la témoin. Oh oh, je crois que j'aurai des complats. Non. Ciao les losers. Oh là là. Vous m'aurez jamais. Bon, maintenant, j'ai semé la police. Donc, comme je l'ai dit, nous allons attaquer ici.
les prêteurs sur gage. J'y vais. Sans une égratignure, bien sûr. J'aime bien ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. Honnêtement, sans être raciste, je fume noir, là. Et nous sommes arrivés. Je vais aller voir. Je vais peut-être acheter quelque chose. J'en ai peut-être besoin. Oh, un client rentre. Ça a l'air bien ici. Salut. Hey, salut mec. C'est pas facile de choisir, hein? M'en fous, j'ai encore 2 531 462 $. Bon allez, maintenant je vais lui parler un petit peu. Qu'est-ce que vous faites à part ça? Parce que on dirait que vous faites rien de votre vie. J'ai de les manches. Ha ha ha, ta voix. Toi aussi t'es un moche de toute façon. Je t'emmerde, et si tu continues à rester ici comme ça, j'appelle les flics. Serait-ce une menace? C'est pas grave. Mais si, connard. Oh, t'as valsé toi, hein? Magasin braqué. La police, votre urgence, s'il vous plaît. Quoi, trop duc? Appelle pas les flics. Allez, bougez-vous. Merde, il faut que je me barre. N'appelle les flics. Enculé. Oh, pardon. Je ne rangerai pas. Oh, cascade, Fast and Furious 8. Bon, maintenant, je les ai semés. Je crois qu'il me reste un magasin à faire. Mais oui, le magasin de vêtements. Donc, si je récapitule bien, le magasin de vêtements est là. Oh merde! Il reste encore un truc à faire après. Le knacky. Mais il me l'a pas dit. Ah, il le savait que je le saurais. Putain. Faut que je prenne une bagnole pourrie aussi. Allez, let's go. Oh putain, il m'appelle, c'est lui. Oui, allô? Tu dois y aller en discrétion. Ok, pas de soucis. Discrétion assurée. Voilà. Alors. Merci de m'avoir téléphoné, mais je t'emmerde. Il regarde la télé, mais quel enculé, il doit regarder les vendeurs. Farming Tong! Je n'accepte pas ça. Bonjour, vous vendez des strings pour grand-mère, ça me dérange de vous dire ça, mais j'en ai besoin. Ça me dit le mec qui va faire une partouze. Ça me dit le mec qui va faire une partouze. Je te permets pas, et tu t'appelles comment d'ailleurs? Leslie? Leslie Vanderman? Pourquoi? Parce que je vais graver ton nom sur ta tombe. Les mains à terre. Regarde-moi. Il m'a pas regardé. Et vous bougez pas. Merde. J'étais en discrétion ici. Quelle est votre urgence, s'il vous plaît? Oh, c'est bon de se faire des petits trucs dans sa voiture. Oh, oh. Quoi, voilà les flics, vite. Bonjour, la police. Non, je n'ai pas le temps. Pardon. Ferme ta gueule, hélico de merde. Tiens, mange. Allez, encore 3 heures de poursuite. Oh merde, j'ai des balles sur ma voiture. Bon, maintenant que j'ai suivi ces... J'échappe à ces connards, plutôt pas les suivre. Enfin, j'en ai suivi un, la police, il a dit que j'étais un enculé. Je lui ai dit que c'était un fils de pute, mais je me suis réchappé après. Bon, normalement, il devrait m'appeler dans pas longtemps, je pense. J'ai tellement envie de faire pipi. Oh merde, c'est lui. Changement de programme, tu vas devoir braquer Quickies. Ben je le savais ça, mais après, tu vas voler un camion de poubelle et prendre ce qu'il y a dedans. Je te recontacterai, ce cas-là.
Mais il y aura encore une dernière chose. Tu devras braquer le Merlot. Non, ça sort de question. Tu veux des fixeurs ? Oh, ta mère. Putain, je suis pas sorti de là, moi. Oh, putain de merde. Bonjour, petit chaperon rouge. Merci de m'avoir donné ta voiture. Bon, oh merde, il appelle les flics. Ce n'est pas le moment aujourd'hui. Quelle est votre urgence ? Eh ben oui, ma petit chaperon rouge, il a été blessé. Bon, bref. Cookies est là. Twinkies, pardon, je m'en rappelais pas, je ne bouffe pas cette merde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça donne trop faim tout ça. Oh, alors. Bonjour monsieur, auriez-vous des gâteaux? Parce que là, je ne vois que des donuts, tout ça, mais je veux des pépitos, voilà, des pépitos. Bah bien sûr, mon jeune garçon. Enfin, mon jeune garçon, vous n'êtes pas tout jeune. Par contre, ce sont des gâteaux au piment. Les piments, est-ce qu'ils piquent? Mais bien sûr, mon vieux. Les piments, ça pique. Pourquoi? Je déteste quand ça pique. Et vous, vous aimez quand ça pique? Yes, salope. Ici la police, quelle est votre urgence? Toi, tu bouffes de la merde aussi, hein? Voilà. J'ai le contrôlé. Oh, sympa. Oh, le bâtard, je voulais un steak. Au suivant, s'il vous plaît. Voilà. J'attends ici maintenant, regardez ça. Voilà. Dans ta gueule. Maintenant, il faut que je leur échappe. Je crois que j'aurai plus de problème après aussi. Allez, let's go. Voilà. Maintenant... je dois voler un camion de poubelle. Mais je n'aperçois pas de camion de poubelle. Pourtant, c'est la zone du camion de poubelle. Donc nous allons chercher ensemble un camion de poubelle. Pardon toi, connard. Allez, c'est parti. Mais il n'y a jamais de camion de poubelle aujourd'hui ou quoi? Oh putain, je dois encore chercher. Qu'est-ce que je viens de voir là-bas? J'ai eu un sursaut. Et ce... oh le bâtard, j'ai cru que c'était un camion de poubelle. Fils de pute. J'ai une meilleure idée. Si je suis en police, peut-être que je pourrais arrêter le camion de poubelle. Mais encore faut-il le trouver. Un camion de poubelle. Ça fait longtemps que je cherchais. Arrête-toi, connard. Sors de là. Sors de ta caisse. Non, je veux pas mourir. Sors de là. Non. Tu veux pas sortir? S'il vous plaît, ne tirez pas. Trop tard, enculé. J'ai évité de peu que quelqu'un appelle la police. Allez, toi, maintenant. Tu... dégage de là. Hop là. Oh, il me rappelle. Oui, allô. Mec. Avec ce camion, tu devrais te trouver une tenue à l'intérieur. Avec cette tenue, tu iras au Merlot. Et tu pourras le braquer. Mec, j'ai pas du tout envie de braquer le Merlot. Tu vas le faire, sinon t'auras des fixeurs au cul. Emmène-la juste à ta planque. Oh le bâtard, putain. Il fait chier ce mec. Putain, il rappelle. Et nous aussi, n'oublie pas de détruire le camion. Oh putain. Tu es raccroché au nez. Allez, allons voir cette tenue. J'espère qu'elle est bien. Alors, commençons à fouiller là-dedans. Effectivement, cette tenue était dégueulasse. Bon, maintenant, je dois détruire le camion. Désolé, amigo, mais je dois te buter pour pas avoir de preuves. Putain, la résistance camion. Oh, il y a un témoin.
RIP, mais j'ai pas vu ce côté. Oh, salut toi. Bon, maintenant, approximativement, le Merlot est ici. Oh non, j'ai pas envie d'aller le braquer. Mais on est obligé, let's go. Que fait ce mec? Aiden Pierce, il est en train de pisser. A encore frappé. Oh non, on parle de moi. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il terrorise la population de Chicago sous prétexte de rendre la justice. Certains le considèrent désormais comme un terroriste. Mais Aiden Pierce a-t-il le profil d'un terroriste? Les avis sont partagés. Il ne s'est rattaché à aucun mouvement politique et ses cibles sont de toute évidence des criminels. Les autorités insistent toutefois sur un point. Leur travail est d'arrêter cet homme, pas de le comprendre. Cette partie sera l'affaire des tribunaux. Mais salope, je suis pas méchant. Là, on m'oblige juste à buter des mecs, quoi. Je fais pas exprès. Putain, j'arrive au Merlot. C'est qu'il y a énormément de monde. C'est parti. Hop, localisation du GPS. C'est bon. On peut y aller, Merlot. Alors, la salle devrait être ici. On devrait y aller. C'est parti. Bonjour, mademoiselle. C'est quoi votre petit nom? Il y a un problème. Désolé. Oh, non, il n'y a pas de désolé. Bon, allons voir à l'accueil. Mais il y a personne à l'accueil. Si, ça va. Il y a personne. C'est juste un garde du corps. Ce que cet endroit est bien nettoyé. Oh, hé, y a pas dragué, toi, hein? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très mal, à vrai dire. Très mal. Ok, mon pote, pas la peine de me coller, d'accord? J'ai été obligé. Je dois faire un carnage ici. Ici la police, quelle est votre urgence? Ah, il me revaudra ça, ce bâtard. Police, précisez votre urgence. Je suis désolé, mais je suis obligé, le mec. Non, pas les flics. Non. Non. J'ai dit non. Pas de preuve, pas de preuve. Non. Je dis pas de flic. Pas de flic. Oh oh, ça commence à piquer un peu là. Oh oh oh. Ça pique sa mère. Oh non non non, je peux pas me battre contre la police. Oh salope, t'étais pas là tout à l'heure. Oh ma femme. Désolé, mais je dois te buter. T'es très sexy par contre. Hey. Matraque dans le cul. Je te mets une matraque dans le cul, petit roule les boulets. Maintenant, il faut que je leur échappe. Merde, ils sont partout. Bon, je les ai échappés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Merde, c'est encore lui. Mec, t'as réussi à faire toutes les épreuves. Il t'en reste encore une à faire. Mais non, bâtard, j'ai tout fait. Je te parie que t'es même pas capable de prendre une voiture et de voler dans le ciel. Va te faire enculer, pédé. Putain. Quel enculé, va m'en faire combien d'épreuves? Je vais essayer de faire son épreuve. Oh merde, j'avais oublié de la buter, elle. Il y avait un témoin, désolé. Oh non, il ne faut pas appeler la police. Radio, ferme ta gueule. Hop. Maintenant, essayons de faire ce défi. Ça devrait être facile à faire, à vrai dire. Faut juste un 2% de batterie. Voilà, ici, c'est parfait.
Hasta la vista, baby amigo mio. Tu vas mourir, voiture. Ici et maintenant. Désolé, madame, j'ai un petit freinage. Je manœuvre encore. Tu vas voir, moi, je suis pas capable. 3. Hé, salope, réponds aux voitures. Oh 3. Oh le salaud, alors lui là, il a foncé dans ma voiture. Et quoi? Face à la grogne provoquée par les agissements de moi encore. Justicier, la police de Chicago a déclaré, je cite, hop. Si vous voyez le justicier, n'essayez surtout pas d'intervenir. Ici la police, votre urgence s'il vous plaît. On m'attendait avec quelqu'un. Alors, voilà, on n'appellera point la police. Là, vous avez une permanence téléphonique ouverte 24 heures sur 24. Les témoignages 3, sont déjà nombreux. 2, et 1, chaque information est plus grand fermé. Boom, headshot. Bien, maintenant que tu as fait tout ça, tu peux venir me voir. Mais où est-ce que je te retrouve, enculé? À Pony. À Pony. Et où ça, Pony? Ok, je vais te localiser. Ça y est, je l'ai localisé. Regardez bien. Mon GPS va directement se mettre dessus. Oh non, il est brouillé. Ici, mais comme par hasard. Bon, on y va. Aiden Freestyle. Enculé, tu vas mourir pour les crimes que j'ai faits et que tu as faits. Oh, pardon, mec. Je suis juste un peu pressé. Oh! Oh? Ma moto? Bon ben, je vais prendre cette voiture. Désolé, le propriétaire. Je suis juste un peu pressé. Let's go. Oh, la priorité, du con. Priorité à gauche, maintenant. C'est bon, on est arrivé. Aiden croit que c'est ici. Allons voir. Bon, maintenant, comment je peux savoir que c'est lui? Putain, c'est un fixeur. Vite, il faut que je m'occupe de lui.
plutôt facile ce coup-ci. Ah, bah tellement que je suis heureux, tu vois. J'ai même envie de réessayer. Le truc qu'il m'a proposé, c'était tellement génial. Allez, 3, 2, 1, yes, et attends, je fais de manœuvre. Parti ! Oh merde, ma porte était mal fermée ! Depuis ce jour, Aidan Pierce fut mort. Et voilà, j'espère que ce funtage, enfin ce funtage, non, plutôt, merde. Oh non. Voilà, j'espère plutôt que cette petite histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Alors, petit bonus pour ceux qui sont restés jusque là. Alors, vous êtes certainement demandé comment je faisais les images comme ça à la première personne. Bah, c'est simple, je prenais un véhicule, puis je changeais les vues. Ah, bah, voilà, comme ça. Et puis là, je parlais de mon histoire. Après, si j'avais ça, je le désactivais et puis tout. Voilà, c'est tellement simple. Dernier petit bonus, là ça consiste au personnage, comment je faisais la tête des personnages, tout ça, hyper près de moi. Donc vous avez certainement vu des petits faux raccords, genre Aidan Pierce derrière. Bah oui, forcément. Genre par exemple, vous l'avez certainement remarqué. D'abord je désactive mon follower, mon portable. Et je me mets comme ça, ensuite je tourne la caméra. Et je l'avance, ça fait la tête d'Aidan Pierce. Voilà, ça c'est le plus facile. Mais ensuite, ce qui était le plus dur, c'était lui. Regarde, déjà, fallait se mettre derrière et essayer de bien le centrer pour plus voir Aidan Pierce. Vous voyez comme ça, mais après ça fait des trucs chelous comme ça. Ça me fait péter une barre, mais bon. Attendez, je vais essayer de vous bien le mettre. Pourquoi je peux pas passer derrière? Il me bloque. Genre comme ça, regarde. Genre là c'est bien, voilà, on l'a bien là comme ça. Mais après on peut le faire derrière et tout. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut madame.